Mesdames, messieurs, représentants des autorités européennes, limitons le nombre de victimes en mer, nous sommes des êtres humains comme vous. Accueillez-nous en Europe avec bienveillance comme nous le faisons pour vous en Afrique. C'est une question de liberté, d'égalité et de fraternité. Afin de rétablir l'ordre des choses, nous demandons aux autorités européennes de délivrer des visas à tous les ressortissants africains qui en demandent. Fraternellement, les Africains. C'est Nice pour Nice. On est obligé de passer par la mer, tout en sachant qu'on se met dans la mer. Je ne rêve de voir la tour Eiffel. Pourquoi ne pas juste nous laisser faire? J'avais juste envie de me promener, voir les amis qui m'ont trop manqué, ou même continuer à étudier. Mais vous ne m'avez pas laissé passer. Ah, t'inquiète pas, y'a des choses qu'on ne cautionne pas. Question quoi? Mais quand est-ce qu'on va voter ces lois? Ils sont obligés de nous laisser passer, ils sont obligés de nous laisser passer. Ils ont pas le droit de nous le refuser, ils ont pas le droit de nous le refuser. Ce sont eux qui nous ont colonisés, ce sont eux qui nous ont colonisés. Sans scrupule, ils nous ont dépouillés, sans scrupule, ils nous ont dépouillés. Tout ce qui m'inquiète, je vous dis, c'est mon état de santé. Car je sais qu'au bled, je serai pas bien soigné. Combien de demandes de visa vous avez refusé? Combien d'avenirs de jeunes vous avez brisé? Tout ça à cause de vos idées noires insensées. Tout ça pour nous barrer la route. Allez, donnez une chance à ces footballeurs. Donnez une chance à ces footballeurs. Donnez une chance à tous ces artistes. Donnez une chance à tous ces artistes. Donnez une chance à ces étudiants. Donnez une chance à ces étudiants. Donnez une chance à tous ces souffrants. Donnez une chance à tous ces souffrants. Aidez-les à réaliser.